Alors salut tout le monde, c'est Clem. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto. Comment faire danser un personnage dans votre jeu Roblox. Moi, je vais prendre par exemple le classique Best Plate. Voilà. Donc pour ajouter un personnage, vous pouvez utiliser Moon Animator. Ou soit vous pouvez utiliser l'autre caractère. Moi, j'utilise ça. Donc par exemple, si je mets moi-même. Voilà. Bah, vous devez aller dans les ici, donc mettez bien le dans View Explorer et Properties. Après, vous cliquez sur cette flèche et là vous avez des détails et vous allez faire un plus et vous allez ajouter un script. Vous pouvez juste taper script comme ça. Voilà. Après que vous êtes dans le script, vous enlevez tout ce qu'il y a. Et vous copiez. Attendez. Et vous mettez ça. Voilà. Alors ce code va être dans la description. Soit avec un pass bin. Alors attention. Moi dans mon truc que j'avais fait il y a longtemps. J'ai eu un problème. C'est que. J'avais mis ça. Mais si vous mettez ça, ça va tout faire péter. Du coup. Vous mettez pas ça. Donc quand vous avez le script, vous appuyez sur le plus et faire animation. Voilà. Après, vous allez chercher une emote, par exemple. Genre, j'ai pris celle-là. Si vous avez un truc, vous allez cliquer là. Hop, pour avoir les détails. Et là, vous avez le code qui est juste ici, de l'animation. Vous devez être sûr qu'il y a bien marqué librairie, sinon ça marche pas. Voilà. Donc là dans l'animation, cliquez, il y a animation ID et vous collez le code, juste comme ça. Et là par exemple, vous pouvez l'appeler, donc moi le truc il s'appelle Quake Wave, je crois que c'est un truc comme ça que ça s'appelle. De toute façon ça change rien. Vous faites ça, et dans script, et vous mettez exactement le même nom, voilà, que vous pouvez l'enlever. Et si vous mettez là dans dance.looped égale true, si vous mettez false, il va faire l'animation qu'une fois. Et si vous voulez pour qu'il fasse plein de fois, bah vous mettez true. Voilà. Parce que looped, ça veut dire d'affilée, je crois, un truc comme ça. Une fois que vous avez ça, c'est pas encore fini. Bah là, vous pouvez tester par exemple. Voilà. Ah bah ça marche quand même. Bah vous pouvez aller dans humanoid rootpad et enlever le encore. Voilà. Et là voilà, vous avez votre personnage qui fait une animation. Et quand l'animation va se finir, il va faire ça à l'infini. Allez, comme ça, hop, voilà. Donc c'est tout. Et pour avoir ça là, vous avez besoin de BTR Roblox. Plutôt, je crois que c'est BTR Roblox. On va vous taper BTR Roblox comme ça. Et là voilà, vous allez sur Chrome ou un truc comme ça. Et là vous faites, voilà, c'est bien ça. Vous faites ajouter à Chrome. Voilà. Donc si normalement, si vous avez fait toutes ces étapes, c'est censé marcher. Donc j'espère que ce tuto vous a aimé, vous a aidé. Au revoir!